à une population qui est stable dans leur maison. Ceux-là, peut-être qu'ils peuvent cultiver leur terre et récolter et manger, mais il y a d'autres populations qui ont été déstabilisées. Ceux-là, ils attendent de l'aide, peut-être de l'extérieur, de l'aide humanitaire, tout ça. Donc, c'est la fin de la vie. Country will not be able to import through Tanzania, and that's for it is going to create a shortage of consumer goods, which the consequence of inflation, high inflation pressures in the country, and it is going to hurt ordinary people. S'il y a de choisir entre la paix, la sécurité et l'embargo, je crois que ça serait moins grave. Une fois que cette équipe est en place, je crois qu'il faut définir un programme volontariste pour arrêter les massacres, pour faire la paix et créer des conditions idéales pour un dialogue sincère et relancer la démocratisation. Et enfin, le troisième aspect, c'est le redressement économique.